Et bonjour à toutes et à tous, ici Endo sur Ivasan Studio pour cette nouvelle session de Labyronia RPG. On approche doucement de la fin de l'aventure. Avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir la finir aujourd'hui. C'est pas dit. Du coup, pour vous rappeler où est-ce qu'on en était, on était à la recherche du dernier cristal de feu. Et j'étais persuadé que je l'avais déjà, alors qu'en fait, pas du tout. Qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Bah, tout simplement parce que quand j'ai regardé mes succès Steam, j'ai vu qu'il y avait des succès pour les boss élémentaires en fait. Donc, j'ai vaincu le boss élémentaire roi de l'eau, Tridon, celui de la terre, Dicia, celui de l'air, Abramelin, qui était très difficile si vous vous en rappelez. Et du coup, j'ai vu qu'il me restait le dernier succès Steam à réaliser. Battre le roi des monstres élémentaires de feu, Pyros. Du coup, je pense qu'on va retourner dans la grotte de feu, celle où on avait bien 3 Qs. Je pense qu'il y a encore des choses à faire dedans, donc on va devoir y retourner. Allez, c'est parti. Tac. Et tac. Et bah let's go, on continue notre aventure. Hop et hop, et j'espère que le son est bon de votre côté. Nous étions ici, et bah en plus on n'est pas très loin, ça tombe bien. Et voilà, alors faut pas oublier bien sûr. Il faut remettre la combinaison anti-lave, enfin anti-chaleur on va dire plutôt. Tac, et pour Anne aussi, et voilà, tout est bon pour tout le monde. Allez, petite sauvegarde. Gardez l'œil ouvert parce que... ah oui d'accord. Moi je vais n'importe où là. Ce n'est pas du tout la bonne direction. Ne plus. Allez, c'est parti. Premier ennemi, un cristal violet. Pas très dur à battre. Normalement, si j'ai beau courir, oui. Une bonne chose de fait, on récupère un cristal violet, mais bon, c'est pas très utile. Déjà améliorer la pioche. Ah oui, c'est ok. Oula, zut. C'était le fail. Ah zut, j'étais trop lent. Hop. C'était par là ensuite. Hop là.
ensuite faut aller par là du coup. Ah mince, j'y ai passé. Mince. Ah, je vais trop vite. Faut que je prenne un peu plus mon temps. Alors, tac tac tac. Voilà, ça c'est fait. Ouh, t'as passé long. Ah punaise. Hop. Ok, hop, hop, hop. Hop, ensuite c'est par là. Voilà. Ça m'a soigné en plus. Parfait. Je suis Pyros, l'inarrêtable seigneur du feu. The flickering. Je vais pas dire que la flamme. Ok. Ok, il est posé comme ça, tranquille. Il a une bonne bouille, je trouve, en plus. Bon, c'est du feu, bah le feu ça aime pas l'eau normalement. Vous savez quoi, on va pas faire ça d'abord. On va peut-être faire un petit peu de. Ouais, il y a Fire Shield, déjà c'est pas mal. Ensuite un peu d'intensify ici, et puis je pense qu'il utilise pas mal de magie, donc un bouclier de anti-magie. Ça va être pas mal comme ça. Ensuite, ici, tu veux nous faire un petit. Qu'est-ce que tu veux nous faire de beau, toi ? Essaye un headshot. Et ici, on va mettre un status shield. Ouh, 2236. Par contre, l'eau, ça fait que 600 et quelques. Ouh, la vache ! Eh ben, Anne, elle a pas aimé ça, hein. Donc je pense qu'on va partir plus peut-être sur un enchantement de l'âme. Et tu vas te faire un petit focus sur toi. Et toi tu vas te soigner surtout. Hop. Tac. C'est Will Strike, ça donne. Encore un petit heal sur Anne. Ah, beaucoup mieux. 3500.
note le critique de Garrick. C'est validé. Je vais faire un peu de maths réflexe sur Anne comme ça. Ça va être pareil. Ah, le Hinted Space est enlevé, on va le remettre. Ouh là. On va remettre le Fire Shield d'abord en tout premier. Ici, on va donner un élixir à Ares. Et ici. Magic Shield il n'y est plus, donc on va le remettre. Bon après il est immunisé, et au moins elle prend rien du tout Anne. On va soigner Garrick. Anne va faire un petit warm touch comme ça. Ça va soigner un peu tout le monde sur la durée, c'est pas plus mal. Ah, elle est étourdie. Toujours pas de critique. On a toujours le bouclier de feu, donc aucune raison de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on a comme dégâts avec Anne? Ça fait pas de dégâts, Steel Knife, ça marchera sûrement pas, vu que c'est un boss. Bon, je vais y aller. Sauf si j'ai gagné avant que Anne. Ah bah oui, je l'ai gagné en fait. Pas très dur celui-là. Dix mille points d'expérience, 4000 d'or trouvé. Ares niveau 32, Garrick niveau 29 et Anne niveau 29. Et je viens de déverrouiller bien le succès Steam. Vaincre Pyrrhos. Et ben voilà, il y a pas un petit Q qui se balade par là. Je vois rien d'inhabituel. Même sur les piliers, c'est tous les mêmes, il semblerait. Et ben on va sauvegarder et s'en aller. Avec sûrement le même problème que la dernière fois qu'on allait dans la grotte de feu. Il va falloir faire encore une fois attention aux bouboules. Ah, il fallait pas aller par là. Bah du coup. On va se taper un monstre, c'est pas grave.
C'est un mot très difficile. Allez hop 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 hop. Vu tous les deux que je viens de prendre en plus, ça va être rapide. Ah zut, ça me remet au début. Et évidemment, sinon ce n'est point drôle. Bon, le premier est facile. Hop là. Ensuite c'était par là, par là, par là. Ah bah quand même un petit peu, non seulement plus sont faciles à faire abattre. Fais gaffe. Non. Non, non, non. Ah, ça va être long. Je trouve que le chemin est plus dur à l'envers. Oh, punaise. Je suis allé trop vite. Alors si jamais vous trouvez que le jeu est saccadé, c'est, on va dire, entre guillemets normal. Ça n'a rien à voir avec le stream, c'est le jeu de base qui est comme ça, qui saccade beaucoup. C'est-à-dire que moi aussi ça saccade beaucoup chez moi. Ce qui fait que du coup, voilà, il se passe des choses comme ça. C'est pas évident. Pas évident du tout. Hop. Ah non. Le fail. Bon, le premier, il est facile. Ok. C'est celui qui est après qui me fait plus peur. Celui-là. Ok. Ouf. Il en reste encore un. On ne se précipite pas. Voilà. On sauvegarde surtout. Important. Hop là. Comme ça. C'est fait. Allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder les statuts de tout le monde. 8000 avant l'expérience, avant le prochain niveau, pardon. 6000 avant le prochain niveau et 13000 avant le prochain niveau. Bon bah, on va rien faire. On va rien faire. On va pas faire de XP, on est très loin de des niveaux suivants. Hop là. Et bien maintenant, c'est l'heure d'aller poser notre dernier cristal. Alors, la tour de Mystérial était où? Moi, je suis trop au sud, là. Ça va être par là. Voilà. Nous allons pouvoir passer du côté droit et déposer notre dernier cristal. Et on va retrouver Windir maintenant, parce que Windir nous avait dit qu'une fois qu'on avait placé tous les cristaux sur les autels, il fallait aller le revoir. Donc on va retourner voir Windir. Mmh.
Windia qui est là. Doing. Tac tac tac. Ah ouais, je pouvais pas du tout le revoir en fait. Ok, il dit juste que... Bon d'accord. Très bien, très bien. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Est-ce qu'il nous en reste 11. Je sais où il y en a et c'est... Et je galère à les trouver. C'est dingue. Et je veux les trouver. À Alatar, toujours dans les terres de glace, c'est compliqué. En fait, fallait pas du tout aller voir Windy. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Alatar parce que je veux. Il y a au moins 3 Kyo que j'ai raté. Au moins 3. Donc, on y retourne. Je sais qu'il y en a un aussi avant. Il y en a un tout facile, qui est. Ici. Voilà, Slipshot. Ça, c'était truc de périte. Oh, tu n'as pas de petits trucs au passage. Et je suis toujours inquiété, n'empêche, par cette partie-là de la carte. C'est où? C'est là? C'est là. Impera. Ça m'étonne qu'on puisse pas y aller. Rater un truc. On peut pas rentrer non plus. Si je prends... Je peux pas escalader. Non. Est-ce que j'ai d'autres... Mince, non, non, non. Doucement. Équipement arrête changer. Bon bah je trouve pas. Ok, on va faire autre chose dans ce cas-là. On va aller dans le désert. Pourquoi le désert? Et bien parce qu'il nous manque encore un quiz à faire. C'était par où? Là, c'est un truc du Mysteria.
Le dessert, il est là le dessert. Et on va passer par la porte nord. Hop là. J'en ai combien de l'eau là? Non, items. J'en ai deux. Je pense que je vais être assez rapide, donc pas prier pour que ça suffise. Je sais où je dois aller, donc. Non, je devrais pas aller par là. Je devrais aller plus vers l'est. Et dès que je peux, je dois descendre. Non, pas ici, évidemment. Mais là. Bingo. Parce que maintenant il a son troisième quiz. Welcome back to the hot quiz. Are you ready for the round 3? Est-ce que vous êtes prêt pour le troisième round? Très bien, oui. Première question. Quel est le nom de la religion la plus vieille de l'Abyronia? Je crois que c'est la luminosité. Correct. Now you'll get the honor of trying the question number 2. Here it comes. Donc correct, vous avez l'honneur de d'essayer la question numéro 2. Et là voici. Quel est le nom du dieu de l'eau? Eh bah c'est Crodin. Correct, maintenant tu vas avoir l'honneur d'essayer la question numéro 3. Et là voici. What's the name of the evil power threatening the future of Labyrinth according to Dark Prophecy? Et... Margin. Oui! Réussi, vous avez passé le round 3. Félicitations, voici un fabuleux cadeau, une récompense pour vous. Quizzes Glove, les gants du quizzer. Maintenant, va-t'en, j'en ai marre de faire des quiz. T'as juste la haine parce que je suis trop fort à vous. Regarde s'il n'y a pas un petit Q quand même, vite fait, parce que sinon il va se barrer. Ce serait dommage de. D'échouer. Et pouf, il est parti. Pas que j'oublie que le temps court. Tac. Si je fais ça normalement, c'est bon. Ibé. Quizzes Glove. Quizzes Ring. Peut-être pour Garrick. Ou alors c'était autre chose. Ah, c'est ici. Ok, ça nullifie les attaques de d'eau et de glace. Visiblement, c'est mieux en plus. Eh bien, parfait. On va maintenant partir d'ici très loin. Je ne sais plus où je suis. Je sais pas où est le nowhere. Il me faut absolument un point de repère. Je crois que là, je suis pas très loin de l'entrée. Mais si, je suis pas très loin de l'entrée, effectivement. Déjà, c'est une bonne chose que du coup, je vais pouvoir hop là, sauvegarder et relancer le chrono. Donc maintenant, il faut aller à gauche. Descendre légèrement. Et normalement... On y retourne. Tac, et là sur la gauche. Ah, ici. Nickel, c'est bon. J'ai retrouvé mon chemin. Et là on remonte. Ça se trouve, il y a un truc dedans. Non, on avait déjà regardé en plus. Et il n'y avait rien. Donc il reste encore 10 cues, puisqu'on a récupéré celui sur la vache endormie. Il doit en rester au moins 3 à la tare. 3 dans la tour de Mysteria. Et j'en suis sûr qu'il y en a aussi
Imperan, mais je sais pas comment. Je me dis peut-être que. Bah non, même pas. C'est dingue, j'y arrive pas. Pourquoi j'y trouve pas de. Quelque chose. Peut-être non. Là, je suis chez moi. Dans la maison. Il faut retourner à la tare aussi, faut pas oublier. Là, je crois qu'il y a une péraille. Je sais que je vais sûrement avoir besoin du bateau aussi par rapport à cette zone aussi. Là, cette zone là aussi. Je sais qu'il y a des combats ici un peu durs. Peut-être pas en fait. Ok. Ah c'est quand même. Oh putain la tête qu'ils ont. Ah, confusion, c'est pas top ça. Ouh. Oh bah dis donc. Ça apporte beaucoup d'expérience, dis donc. Continue à devenir un peu plus fort ici, et puis on va surtout penser à faire du protection de statue avec Anne. Thank you.
Désolé. On augmente bien là quand même. Hein. Pas très dur à battre en plus. Hop là. Et hop là. Niveau 35, niveau 32, niveau 31. Allez, on en fait un dernier. Assez d'amusement. On va retourner à la tare du coup. À la tare. C'est ici. Allez, go. Alors, avant de faire quoi que ce soit, on va changer de tenue. Et voilà. Combien d'or? Ouf, 63 000 d'or. Oh là là. Je suis riche. C'est par là.
Donc, du coup, d'après mes recherches, il faudrait qu'on s'occupe des champs. Dans les champs, normalement, il y a des kyos. En voilà. Ah bah tiens, il est là, me chercher. Wouhou! Ok. Ah, Waterstorm, pas mal. Et il y en a un autre, je sais qu'il faut trouver un corps prisonnier dans la glace. Mais je sais pas où il est. Ah bah. Beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Je crois que je les ai tous. Et je suis déjà au graveyard. Ah bah ça sera rapide. Je pense qu'on peut partir. Je crois que je les ai vraiment tous là. J'essaie de me rappeler, mais il me semble qu'il n'y a pas d'autre à Alatar. Mais du coup j'ai le tir de glace de Garrick et j'ai la tempête d'eau de Harris. Donc je crois que je suis pas mal là. Donc ce qui veut dire qu'il nous restait 11 Qs. Moins 1 avec la vache endormie, moins 2 avec Alatar. Ce qui fait du coup 8 Qs, sachant qu'il y en a 3 au minimum dans la tour de Mystaria. C'est-à-dire 5, il en resterait 5. Je sais qu'il y en a là-dedans. Je le sais. Mais je sais pas comment on y va. Et bien puisque c'est ainsi. On va commencer par faire l'équipement. On va optimiser tout ça. Et ben on va aller à la tour de Mystéria. Tour de Mystéria. Elle est là. Normalement, elle va être ouverte la porte. Oh. Petite séquence avant. Séquence émotion. La tour de Mystéria. J'espère obtenir les réponses. J'espère obtenir les réponses que j'ai besoin auprès de Windir et des autres dieux. Après cela, quand ma vie sera enfin. Quand ma vie fera enfin sens, et que je serai qui je suis, peut-être que je serai capable de vivre ma vie comme une personne complète. Un petit peu de mal avec la traduction aujourd'hui, un petit peu de mal là. Hein. Pour le moment, Anne, j'aimerais te dire quelque chose. I like you very much. Je pense que c'est plus que liker là. Hein. Je t'apprécie vraiment beaucoup. J'aimerais continuer d'être avec toi après que ce voyage, que ce périple soit terminé. Et que se passera-t-il si ce n'est pas aussi simple? Quoi? Que veux-tu dire? Que se passera-t-il si les questions auxquelles tu as. Si les réponses que tu attends ne sont pas celles que tu attends. Je veux dire, tu te rappelles... ce que je veux dire, c'est que... Tu te rappelles quand on a parlé à l'université de ma capacité à sentir la lumière? Oui. La lumière que je sentais en toi était plus forte là-bas. Mais pour quelques raisons... Je sens qu'elle diminue ces derniers temps. Je suis inquiète, Arès. Je suis très inquiet à propos de toi.
C'est normal d'avoir des perturbations mineures dans ton aura de lumière. Mais ta lumière, qu'y a-t-il à... Tout est ok, je n'ai pas changé. L'ai-je? Anne, le plus que nous a, plus nous en savons, mieux c'est. Si quelque chose m'arrive, j'aimerais en être au courant. Je suis désolé, Arès. Tout ce que je sais, c'est que je peux sentir que ta lumière devient plus faible. Je vois, très bien. Qu'importe ce qui se passe, je suis sûr que les réponses. Je suis sûr que nous obtiendrons des réponses de ces sorciers. Je l'espère. Anne, voudrais-tu me tenir, s'il te plaît? Enfin, m'enlacer, je suppose plutôt. Je me sens froid tout d'un coup. Oh, elle pleure. Je ne peux plus te ressentir, Arès. Laisse-moi te câliner quand viens plus près. Non. Et Gary, toujours seul. Ah, oh, il dort, Gary. Ah, les deux noirs. Hop là, on peut rentrer. Le vestibule. Bonjour, enchanté, ravi de vous connaître. Tu as réussi à battre les quatre rois monstres, rapprochant les terres de la Byronia un peu plus proche de la paix. Nous saluons tes efforts, Arès. Cependant, le roi des rois demeure toujours. Ah, c'est pour ça qu'on pouvait pas aller à Nipera. Dans les ruines de la capitale de Impera, Anituel plane de plonger le monde dans l'obscurité. Tu dois le détruire. Pour nous donner une chance de délivrer le coup fatal au reste des monstres. Quand tu auras réussi cela, tu pourras revenir auprès de nous et nous te dirons tout ce que tu sais, tout ce que tu dois savoir à propos de toi-même. Anituel. C'est un avatar de pur démonerie. J'ai pas le nom. Sa véritable forme réside dans le monde spirituel. Cependant, à moins que Anituel ne soit défait, il va y ressusciter. Ah, il va ressusciter les quatre monstres en peu de temps. Tout ce que nous avons accompli sera alors inutile. Ok. Avez-vous peur de retourner à la fontaine tant que cette chose est toujours dans les parages? Ouais, c'est ça, ouais. Nous évitons simplement les risques non nécessaires. Chocotte un peu quand même, hein. Très bien, je m'occuperai, mais pas pour vous. Après tout, les monstres étaient vos créations d'une manière ou d'une autre. Je fais cela pour le peuple de la Byronia, les villageois, les simples villageois, les commerçants et différents voyageurs qui veulent juste vivre dans un lieu de paix. Tout ce qui importe est ton succès. Nous ne tenons guère. Comment dire? Peu importe tes raisons. Voilà. Peu importe tes raisons. Voici la clé pour ouvrir la porte de la cité. Ah bah voilà, on t'en pourra y aller maintenant. Ok, faut d'abord tuer Anituel. Eh bien, allons tuer Anituel.
pour Wishow Max. Et bah c'est parti. On retourne dans la ville en ruine. Sachant que je ne sais pas du tout ce qui m'y attend, je ne connais pas du tout. Ça, c'est vraiment une partie qui a été rajoutée en plus. Ah oui, c'est vraiment pas top, il y a des mines partout. Donc là, faut trouver des clues, hein. Je ne sais même pas de quoi sont faits les monstres. Des ghouls. C'est de l'eau qu'elles ont de la main. On va essayer Stone Storm pour voir. Toi tu vas faire un shock shot. Si c'est de l'eau, ça devrait être efficace. Et toi tu vas me faire une protection des statues, s'il te plaît. Rien de très efficace pour l'instant. Du coup, on va faire Firestorm, peut-être que ce sera mieux. Et vu que c'est des ghouls, c'est peut-être des créatures de l'eau, donc... Ah, le feu ça aime pas. La lumière non plus ça aime pas. Bon bah c'est ça, c'est des zombies en fait. Niveau 36 pour Ares, Garrick niveau 34 et Anne niveau 33. Là il y a un truc. Ah non, même pas. Bon, je pensais mal. Oui, je suis allé à gauche. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire pour l'instant. Là, il y a un caillou bleu, c'est qu'il y a un truc derrière. Zemocon's Nightmare, le cauchemar de Zemocon. Oui, disons qu'il est pas très joli celui-là, il fait un peu peur. Hein. Zemocon, c'est de la terre, donc c'est l'eau. Enfin, non, l'eau, c'est le. Attendez, tout. L'eau est plus fort que le feu est plus fort que l'air est plus fort que la terre, et plus que. Donc c'est l'air qu'il faut. Essayez, hein, je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout. Eh bien non. Ouais, c'est l'eau. Le feu. Et un petit magic effect. Ah bah voilà, c'est feu. Sûrement aussi un point, je fais radiance sur quoi tu fais. Bah, il y avait rien. Bah, c'est une blague. Non, c'est pas possible, il y avait forcément quelque chose.
Ils ont mis un caillou bleu pour rien. Mais dans quel intérêt? Je peux pas du tout aller par là en fait. Ouais, quoi qu'il arrive, je peux pas aller par là, donc on va changer de direction. On va aller vers l'est du coup. J'ai déjà oublié quand même. Là, il y a un truc. Ah, oh, les bottes de Bérite. Les bottes de Bérite. On va devoir faire un combat. Et bien, un deuxième juste après. Cauchemar de Crodin. Tornado. Shock Shot. Tu vas soigner Garrick surtout. Pauvre, il est très bien. Voilà. Ils sont pas simples ces monstres quand même, hein. Ils sont pas faciles. Remettre, rechanger les bottes maintenant et c'est celle-là. On a quoi à droite? On a droit à quoi? Master Glove. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Glove, c'est pour Garrick, forcément. Ok. Ça augmente plus facilement, mais... Mince. J'ai enlevé les boîtes sans faire exprès. Bah, je voulais pas le combattre. Cauchemar de Dignan cette fois-ci. Ah bah là c'est du feu donc. Oh là, tous les coups critiques. Ah, c'est peut-être du feu mais c'est pas efficace. Hein. Si je fais Waterstorm. Efficace quand même.
passé, je peux passer non plus. Donc du coup, il faut que je rechange. Cauchemar de Windy cette fois-ci, on va tous les faire en fait. Je sais pas ce qui est fort contre lui, moi. Badass. Perdu, hein. Je peux pas aller par là. Je peux pas aller par là. Je peux pas aller par là. Ah, passer par là. Ok. Et là, ça fonctionne. Rien ici non plus. C'est par là. Le retour du cauchemar de Zemokon. Zemokon, c'était le flow, je crois. Non, 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 non. Voilà. Plutôt. Water Storm. Aïe. La prochaine fois, je penserai à mettre un bouclier anti-statue. Le feu, Zemokon, je sais plus. C'était le feu. Voilà. Niveau 37, niveau 35 et niveau 34. Pole Dragon, Windstorm, ça y est, j'ai tous les derniers niveaux de... d'attaque élémentaire de Ares. Mais je sais qu'il me reste encore des Qs, il doit m'en rester au moins deux, ici. Du coup, je pensais que je peux partir d'ici, j'ai tout fait. Merci. Guerre d'Impera. Je crois que lui, ce qui était fort, c'était
tout ce qui était lumière. Du coup, on va enchanter, on va faire un petit... Focus. Il y a peu de chances que ça fonctionne ce sortilège là après. Voilà. Il ne reste plus que le nord maintenant. Je vais sauvegarder avant. Nord d'Impera. Aucune entrée non plus, donc on peut rentrer dans le bâtiment. Où est-ce que j'ai vu ce symbole avant? Pardon, je ne fais pas la traduction. Où est-ce que j'ai vu ce symbole avant? Je n'arrive pas à m'en rappeler. Moi, je l'ai déjà vu et tout, je sais pas quoi. Du coup, il a Anne aussi a entendu la voix. Alors que de base, c'était que Ares qui l'entendait. Donc là, il dit justement vraiment, je pensais que c'était être seul. Et Garek, lui, n'entend rien. Ah, c'est parce que c'est à cause de... Eh bien... Pour être honnête, je ne suis sûr de rien. Je ne suis sûr de rien. Êtes-vous l'un des dieux? Donc soit Windir, Dignon, Crodin ou Zemokon. Yep, that's me. He sounds a lot less determined than the usual one. Il a l'air beaucoup moins déterminé que ceux de d'habitude. Ah, c'est-à-dire que d'habitude, il y en a un autre qui a l'air moins... Et c'est pas le même dieu qui lui parle que d'habitude, en fait, c'est pour ça. Ah, attends, je m'en rappelle. That thing there is on the door is the seal of Armageddon. Donc, ce truc sur la porte, c'est le sceau d'Armageddon. Armageddon, je sais pas comment on dit. Ares, je n'ai pas beaucoup de temps. Zemokon va revenir bientôt. Maintenant, écoute-moi attentivement. Dans ce lieu habituel, essaye de te briser mentalement. Tu ne dois pas succomber à la peur. Quoi qu'il arrive, c'est très important. Pour briser ce sceau, tu dois trouver trois reliques de l'ordre dans la ville. Rituel, c'est exactement ce que tu es. Il est capable de lire ton aura. L'aura est une sorte de champ de force qui gravite autour de toi, en gros. Ça récupère ton expérience du monde intérieur, du monde extérieur,
les êtres spirituels peuvent interpréter ces informations en simplement te regardant. Les plus puissants d'entre eux peuvent même voir les événements possibles du futur. Tu dois rester vigilant et ne pas être confus. Qu'importe ce que Scanituel te dira. S'il te présente une question, tu dois alors cacher tout signe d'insécurité et répondre là comme un monstre. Cela pourrait le distraire et te laisser un peu plus de temps pour explorer la cité. Ok. J'ai peur de cette chose. Ne compte pas là-dessus, Arès. Dis-le à tes amis aussi. À ton ami qui ne peut pas m'entendre aussi. Je dois partir maintenant. Il arrive. Garrett, qu'importe ce qui arrive dans ce lieu, ne te laisse pas emporter. C'est un conseil de l'un des dieux. La lâcheté ne fait pas partie de mon répertoire. C'est ce que j'ai dit, mais nous verrons bien. Donc du coup, faut trouver... Oh, c'est bizarre, celle-là, elle est différente. Ok. Donc faut trouver les trois trucs de l'ordre, les trois reliques de l'ordre. Dans la ville. Bon, je suppose maintenant que des trucs qui sont revenus, des passages qui sont peut-être ouverts maintenant, même pas. Mince. Hey, ils sont réapparus. Windir, je crois que s'il aime pas la glace. C'est ça. Guillon, c'est de l'eau. Il faut de l'eau pour le battre. Et toi, tu veux rien à avoir. Donc, on va bœuf. Oups, j'ai fait une boulette. C'est pas grave, on va continuer à faire du Waterstorm et Gary va la... Ouais, si, non, on va pas faire comme ça. On va faire ça et ça. Gros problème là. Non. Faudrait que j'essaie de le battre tout seul. J'endors. Oh, il dort. Oh, je me suis échappé. Oh, bah, c'est bien aussi. Allez. J'ai oublié que je pouvais faire ça. Comme leur batte, c'est pas grave, ce sera sûrement un autre. Plus simple.
beaucoup plus simple. Je pense que c'était pour ça qu'il y avait un caillou bleu à gauche. Ah, voilà. Comme la une. Je peux sentir ta peur, Garrick. Ah. Je peux entendre une voix maintenant. Tu as peur que ceux que tu as laissés derrière toi ne soient pas capables de survivre de même. Tu te rappelles du forecast prédiction de la prédiction de Brevelyn. Tu n'as pas peur de ta mort. En revanche, tu as peur. Tu es inquiet que ta mission se réussisse ou non. Si tu échoues et que tu meurs, le peuple de Glimtar ne pourra jamais s'échapper de cette tombe de glace. Tu étais aussi également confus après avoir visité Skietar, le paradis au-dessus des nuages. T'as prouvé. Après avoir perdu ta famille, tes raisons de construire le dirigeable a changé. Tu voulais voyager vers les étoiles pour les revoir. Cependant, c'est très idiot de ta part. Tu n'as aucun sens de la compréhension sur le monde des esprits et comment cela fonctionne. La vérité est que c'est qu'elles sont mortes. Elles pourront peut-être renaître. Se réincarner du coup dans une autre forme de vie, mais vous trois ne vous rencontrerez plus jamais, ni dans cette vie ni dans celle qui suivra. Le paradis n'existe pas, Garrick. Tu vis dans une illusion. Je ne suis pas avec tes monstres, je sais ce que je fais. Je vais te poser une question, Garrick. Pourquoi as-tu laissé ton peuple derrière toi? Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont inutiles. Il faut répondre comme un monstre, donc useless. Tu m'amuses. En tant que cadeau, je te laisse partir pour le moment. Tu dis Magic Up. C'est bien ça, Magic Up. On va l'utiliser tout de suite. Ok. Mince. Non, je m'enfuis. Quand ça nous lock. Ah. Je m'enfuis. Ici. Là, il y a une croix. Oui, c'est bien ça. C'est pour ça qu'il y avait un caillou. Ce n'était pas anodin. On va soigner un petit peu avant. Windir, c'est la glace. Il n'aime pas la glace, Windir. Thank you.
Mince. Un peu vite. Pas assez loin quand même. Je peux sortir ta peur, Arès. Tu penses toujours. Tu es toujours en train de penser aux mots que j'ai donné à Abraham et Lynn. Que l'un de vous trois ne souffrira pas à ce périple. Tu essaies de bloquer ses pensées, mais la nuit, ils reviennent dans tes cauchemars. Désolé. Hop là. Ce qu'on va faire, une petite pause de 5-10 minutes et puis on revient juste après. Allez, je vous dis à tout de suite. Hop là, allez, on est reparti. Go, go, go. Tac là. Alors. Donc, tu n'es pas effrayé de toi-même, mais d'un autre côté de tes amis. Cela va-t-il être peut-être le Trusty, c'est celui en qui tu as confiance, Bobalding Hothead, donc la tête chaude manieur de Dark, ou peut-être la prêtresse. Si elle meurt, tu ne la reverras plus jamais. Il est pas très gentil quand même, ce je sais plus comment il s'appelle, ce monsieur. Maintenant, tu penses à la vie après la mort et la force radiante, la radieuse force que tu perçois à ce benevolent God, benevolent, Dieu, un Dieu benevolent. Cependant, tu as des doutes sur le sens de tes expériences passées. Y a-t-il vraiment un outsider dans la lumière, te protégeant et te faisant compagnie, voilà, quand ta condition était intolérable? Et s'il n'avait jamais eu, et si cet être était simplement ton subconscient, une création de ton subconscient, du coup, fournissant du confort? Tu n'as pas vu comment il était réellement, parce que c'était au-delà de la compréhension humaine. Une projection de toi-même, donc une machine sans âme, miroitant soi-même pour l'éternité, pour créer une vie, pour l'expérience. It's never ending. Voilà, c'était dur la traduction. Now you're all wrong, but quand tu as complètement faux, c'est ce que j'ai expérimenté. Non, tu ne sais pas, tu as créé des faux souvenirs pour les comprendre. Laisse-moi te poser une question, Arès. Pourquoi as-tu emmené tes amis avec toi en connaissance du risque? Parce qu'ils sont plus en sécurité avec moi, parce que je les aime, parce qu'ils sont utiles. Tu m'as mis, voici ton cadeau, je te laisse partir pour maintenant. Magic Up et Cross of Ellie, parfait. Magic All Attack, c'est pour Arès, encore une fois. Le prochain, si c'est encore un Magic Up, on le donnera à Anne. Donc il ne reste plus qu'un. Donc doit être tout à l'aise du coup. On va se regarder au passage.
Sapristi. Oh, pas de chance. C'était par là. Bah, c'était par où? Ah, c'était par là en plus. Gadnipera, ça va être facile à battre. Au revoir. Niveau 38 pour Ares, niveau 36 pour Garrick, niveau 35 pour Anne. Ah. Alors. Ça va être pour Anne du coup. Je peux sentir ta peur, Anne. Pour quelque chose. Tu as peur d'Arès. Tu es si proche de lui que tu peux sentir que quelque chose ne va pas. Vous ne vous connaissez pas depuis si longtemps, mais le père te soufflera. Après que ton grand-père mourut, tu t'es senti extrêmement seul et triste. Ares a ramené du sens à ta vie et tes émotions pour lui sont très fortes. Tu es effrayé que la peur que Abrimine a importée dans en toi dirige tes futures actions et te mène à la mort de l'un d'entre vous. Celui qui restera sombrera dans l'obscurité. Il n'y a pas de paix dans la mort pour lui. Mais à la place, une existence sans fin dans l'obscurité, la solitude et le désespoir. À la fin, tu devras le tuer pour finir pour mettre fin à sa misère, comme tu as tué ton grand-père. Ta destinée est de terminer la vie de tous les peuples, de toutes les personnes qui te sont chères. S'il vous plaît, arrêtez, je n'ai pas envie de perdre Arès. Reprends-toi, Anne, ne crois pas un seul mot de ce qu'il dit. Ta lumière s'efface. C'est tellement dur à tenir, Arès. Je me promets que tu survivras à cela. Anne, je ne vais nulle part. Les illusions créées par cette satanée chose va tous aller très bien à la fin, Anne.
Je promets que je ne laisserai rien de tel se passer. Sans te poser une question, Anne, pourquoi suis-tu Arès? Parce que j'étais ennuyé, parce que je m'ennuyais, parce que je l'aime, parce que je l'apprécie. Parce que je m'ennuyais. Ok, tu m'amuses, voici ton cadeau, je te laisse partir pour ce moment. Magic Up. Et du coup, on va le donner à, cette fois-ci, Anne. C'est marrant pour savoir un petit peu ses heals. Allez, on va pouvoir y aller. Maintenant qu'on a récupéré les trois trucs. On a récupéré Cartalucius pour l'instant, je crois. Mince, je vais sauvegarder. On a juste récupéré Waterstorm. On va redonner du mana aussi. Et c'est bon. Le saut d'Armageddon Non, c'est Anituel, ce qu'on va battre. Donc le saut d'Armageddon a été battu. A été brisé, pardon. Le trône d'Anituel. Oh bah voici Anituel. Donc vous êtes ceux qui polluent ma si belle cité avec cette lumière. Est-ce que vous avez aimé mes prédictions? Tes prédictions ne nous battront pas. Nous croyons en un futur radieux. Est-ce que tu as par hasard lu l'obscure prophétie? C'est une fable écrite que je murmure aux oreilles de mes servants de génération en génération. En voici un extrait. Et quand les quatre seront tombés, un cœur, c'est criblé. Dépassera, je crois. Oui, surpassera le sort et un trône sera fait pour le père de mille démons. Soyez prêts, car le temps d'Armageddon est proche. Vous deviendrez les outils pour réaliser mes plus grands desseins. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais si Arès tombe, je le relèverai. Je vois. Qu'est-ce que je peux te raconter si c'est toi qui meurs, prêtresse? Peut-être que ce sera moi qui séparera l'âme de ton corps. Personne ne va mourir sous mon regard, excepté toi, monstre. Nous irradierons l'ombre que tu as projetée sur ce monde et dirigerons la Byronia vers la paix. La paix n'existe pas sans la guerre. Tous les futurs scénarios... Ah, ils ont fait une faute. Scénario, du coup. Se terminent dans la destruction. Ah. Le roi des monstres engage. Il a une tête assez improbable. Et on va commencer tout de suite par un peu de... Alors, lequel du coup?
Clarity, Intensify et protection des statues. Ouh. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Deux soyons plus. En fait, c'est le one shot en fait, c'est super. J'adore.
roulette. Voilà. Le combat est plus long que dur en fait. Les gars, j'avais plus compliqué en tirant une statue. Thank you.
Oh là là. Et ben, un combat plus, comme je disais, plus long que difficile. Voilà, reste niveau 39, Garak niveau 37 et Anne niveau 36. Allez, allez, tu vois, c'est fini. Beaucoup de paroles, pas beaucoup d'action. Tout le monde va bien, les gars. Ça en a tout l'air étrange. J'ai presque cru à ce que ce monstre disait. Je ne crois pas qu'il ait menti à propos de tout cela. Mais il se peut que le futur ne soit pas déjà établi. Nituel a sûrement vu plusieurs possibilités dans le futur. Et a du coup a choisi le pire intentionnellement. J'aime ça. Cela veut dire que nous pouvons forger notre propre destinée. Comment va ma lumière, Anne? Je ne sais pas. J'essaie de me concentrer. Je me sens un peu contraint, un peu retenu. Arrêtez de vous inquiéter pour rien, les gars. Nous avons prouvé que rien ne pouvait nous arrêter. Donc maintenant, retournons à cette tour pour avoir les réponses dont tu as besoin, Arès. J'ai vraiment besoin de retourner à Glimtar le plus rapidement possible. Mon peuple me manque. Enfin, mon peuple a besoin de moi, plutôt. Gary, je ne pense pas que tu aies besoin de transporter ton peuple. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'a dit Windir à Sietar? Le climat devrait se normaliser une fois que les cristaux seront de retour. De plus, tous les rois monstres ont été battus et les dieux nous ont dit qu'ils pouvaient défaire le reste des monstres. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Oui, c'est juste étrange que je n'y ai pas pensé plus tôt. Arès, qu'est-ce qu'il y a, Anne? Me ramènerais-tu à Riverlands quand ce voyage sera terminé? J'ai toujours voulu voir ces terres. Que penses-tu de cela? Nous escortons Garrick à sa maison en premier. C'est que besoin la
et nous sécurisons le lieu juste au cas où. Après cela, je te ramène à Meldor. C'est d'accord. Très bien, retournons à la tour de Mysteria. Pacifique, il doit y avoir sûrement des trucs. Il n'y a rien du tout. Même pas un petit cul quelque part. Bon. Je suis un peu déçu. J'attendais vraiment à ce qu'il y ait un cul. Eh bien, on va sauvegarder et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le stream. Je vous dis à demain pour ce qui est de mon planning. À demain, même heure, 14h. Pour la suite du programme, qu'avons-nous ? Nous avons Jack qui jouera demain matin, du coup à 2h du matin sur Spyro 2. Et du coup, moi-même, ce jeudi, 14h. Voilà, voilà, j'espère qu'on se retrouvera demain. Du coup, je vous dis à tous une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Et comme on dit dans le milieu, cordialement. Bisous.